Et salut tout le monde, c'est Destro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Warframe et il s'agit de la première vidéo Fashion Frame officielle de la chaîne. Donc j'espère que le contenu vous plaira, vous aviez l'air enjaillé dans les commentaires lorsque je vous en avais parlé. Et du coup j'ai plein d'idées de Fashion Frame à vous présenter, même des top 5 etc, des tier list. Donc restez à l'affût. Et pour rester à l'affût et ne rien rater, vous retrouverez en description de la vidéo tous les réseaux sociaux dont vous pourriez avoir besoin, notamment Twitter. J'essaierai dans la mesure du possible de vous poster un morceau de la frame que je ferai en fashion frame avant la sortie officielle de la vidéo. Comme ça, vous savez à quoi vous attendre sur la vidéo qui va arriver. Mais en description, vous retrouvez également le lien du Twitch afin de venir jouer avec nous. Il y a beaucoup de Warframe, il y a aussi d'autres jeux vraiment sympathiques. On s'amuse bien, on se marre et en plus, il y a des giveaways. Vous retrouverez également le lien du Discord pour, en fait, tout. Grossièrement, tout ce que vous retrouvez sur les réseaux sociaux ou n'importe où, c'est sur Discord également. Et vous avez également le lien du Patreon, dont je suis en train de refaire les récompenses. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Mirage Digital Cracker. Pour réaliser cette Mirage vert fluo incroyable, vous aurez besoin de certains cosmétiques. Je vous montrerai des alternatives sympathiques si vous ne les avez pas. Malheureusement, l'un d'entre eux est absolument obligatoire et c'est du ténogène, malheureusement. On va regarder ça tous ensemble à l'instant. Donc, pour faire cette mirage, vous allez avoir besoin, pour commencer, de l'aspect Mitra. C'est un aspect ténogène et c'est celui qui donne à Mirage cet aspect bah, un petit peu digital hein, avec les parties néon sur son corps et notamment dans son dos et sur ses jambes. Donc, gros GG, hein, toujours, hein, on remercie toujours les concepteurs de ténogène, donc gros GG à Lukinu U, qui est le créateur donc de l'aspect Mitra de Mirage. Donc vous en aurez besoin en entier, hein, que ce soit le casque ou l'aspect complet. Vous voyez que on perd tout de suite le côté digital dès qu'on repasse sur d'autres skins. Donc vous aurez absolument besoin de ce skin-là. Vous pouvez, si vous le souhaitez, activer les détails Prime, mais vous verrez, vous voyez qu'en activant les détails Prime, une grosse partie des néons disparaissent. Donc vous avez toujours celui sur les jambes, le bas du dos, le ventre et le bout des pieds, mais vous perdez celui qui se trouve sur les épaules, et vous perdez notamment celui qui se trouve sur les jambes, qui sont les deux plus gros morceaux digital que vous pouvez retrouver sur Mirage. On fera les couleurs à la fin, d'abord on va faire tout le tour. Vous avez besoin d'un seul accessoire pour que ça fonctionne et c'est le plastron Avia, donc qui est un plastron disponible contre du plat à l'occasion des volts, etc., etc. Pour ceux qui l'ont déjà, et bien tout va bien. Si jamais vous voulez d'autres parce que vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser le Dex Raxaka qui fonctionne très bien, comme vous voyez, ça marche très bien, on voit presque pas la différence. Edo Prime également fonctionne très bien, ça fait le petit côté un petit peu électrique sur son plastron. Et grossièrement, ce sera à peu près tout ce que vous avez. Si vous voulez rajouter du néon, vous pouvez éventuellement utiliser EOS qui est disponible du coup au Baron, mais ça reste quand même moins stylé. Au niveau de la Siandana, alors pour la Siandana, on est sur la Siandana Uru. C'est un choix personnel, la Siandana Uru. Vous pouvez presque à peu près mettre tout ce qui possède de l'énergie en fait. L'objectif ça va être de récupérer l'énergie. Donc vous pouvez utiliser Surator si vous voulez. Vous pouvez utiliser, même si vous voulez, la Serendine, hein, même si bon, là on perd un petit peu le côté cracker. Sekura, si vous en voulez une facile à avoir, hein, elle se trouve à la séquence Perrin. Vous pouvez également utiliser éventuellement Razia, ça peut passer. Par contre, tout ce qui est Pyra, du coup, ça va pas le faire parce que c'est du feu, donc ça ne passe pas. Mitra, du coup, c'est la Siandana hein, qui a été conçue pour les aspects Mitra, donc évidemment, excellent choix. Et autrement, si vous voulez du free-to-play, entre guillemets, vous pouvez toujours utiliser Verve, qui peut malgré tout fonctionner sur cet aspect, mais je recommande quand même Uru. Voilà, donc pour les éléments dont vous allez avoir besoin, vous voyez qu'il n'y a pas de saut, pas de rien. En revanche, pour les couleurs, vous allez avoir besoin d'un certain nombre de palettes. Mais on commence avec du blanc facile à obtenir, le classique saturé. C'est l'avant-dernière ligne
tout à droite pour le blanc. Vous pouvez l'éclaircir, l'assombrir comme vous voulez au besoin. Si vous avez glace, vous pouvez aller sur du blanc encore plus clair. Vous voyez qu'on voit à peine la différence. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, on est sur du noir. Et c'est le noir qui est presque rouge, hein, celui de feu. Avant-dernière ligne à gauche. Vous pouvez également utiliser le rouge, le noir qui se trouve dans peur, qui donne grossièrement le même résultat. Ensuite, vous allez avoir le tertiaire. Le tertiaire, hein, c'est celui ici. J'ai choisi d'un noir un peu plus léger. Hein, donc, on est sur Agonie, sur la sixième ligne en partant du bas, tout à droite. Donc, en fait, le noir le plus sombre de la palette Agonie. Donc, voilà, on est sur c'est quelque chose d'assez sombre. Vous pouvez, malgré tout, si vous l'avez utilisé, le noir de feu, hein, on voit à peine la différence. Voilà, ça fonctionne très bien. Au niveau des accentuations, on reste sur feu. Donc, si vous avez une palette à retenir pour ce skin Mirage Rakta, hein, c'est feu. Feu, on est sur la deuxième ligne à gauche pour donner cet aspect prime. Si on descend trop, on va être trop foncé. Si on monte trop, on est trop clair. Celui-là me paraît être la couleur idéale pour une prime. C'est pourquoi j'ai choisi ce jaune-là. Vous avez également le jaune ici qui peut éventuellement faire l'affaire. Vous voyez, on est un peu plus clair, mais ça passe quand même très bien. Et enfin, ce qui donne à Mirage cet aspect digital, entre guillemets, c'est évidemment le vert. Et là, on se retrouve sur la palette infestée avec le vert le plus clair, donc la dernière ligne de vert en bas à gauche. Si vous avez la palette, disons, classique, vous pouvez quand même utiliser celui-ci. Vous voyez qu'on voit un peu la différence, mais ça passe. Le classique saturé fonctionne également avec d'autres verres. Si vous avez des verres genre Halloween qui étaient offerts, vous pouvez utiliser celui-ci qui fonctionne également très bien. En parallèle de l'émission, on a un verre beaucoup plus foncé afin d'éviter la sursaturation. Vous voyez qu'on a, gagné en... Ça a terni en fait, hein. On a juste les côtés qui sont verts, vert très foncé, vert très clair. Et donc on est sur le dernier vert en haut à droite de Infesté. Là encore, sur Classique, vous pouvez utiliser le dernier vert à gauche, vous voyez que ça fonctionne aussi. Mais l'avantage de Infesté, c'est que les couleurs sont un petit peu criardes, et donc on garde cet aspect un petit peu néon. Pour l'énergie, bah, j'ai choisi le vert en bas à gauche. Encore une fois, là c'est pour l'énergie en plus, donc c'est même pas visuel. Presque, donc vous pouvez choisir à peu près ce que vous voulez, vous pouvez continuer à mettre celui-ci, celui-ci, enfin voilà, vous avez des choix un petit peu entre guillemets budget. Moi je vous propose le choix entre guillemets optimisé par rapport à ce que j'ai fait moi. Si vous activez les tailles prime, hein, ça ne change rien au niveau des colorations, vous avez toujours les mêmes couleurs à utiliser. Au niveau des accessoires, j'ai fait un bête copier les couleurs principales. Pareil pour la Siandana, on est sur quelque chose de similaire ici, pas besoin de faire des modifications. Vous pouvez simplement faire des copies et vous aurez une magnifique Mirage Digital Cracker. Voilà en tout cas pour cette vidéo sur Mirage Digital Cracker. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Encore une fois, ce n'est qu'une fashion frame parmi d'autres. C'est mon avis personnel et c'est pour ça que je vous le présente. Vous en aurez d'autres, il y en aura sûrement d'autres sur Mirage, ce ne sera pas la seule. En attendant de vous retrouver en live ou en vidéo, que ce soit pour du Fashion Frame ou autre, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.